Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des crispations. Donc une autre carte pour notre oracle. Voilà, je suis lancée, je suis. Voilà, je suis presque en vacances, donc j'ai pas les filles, donc j'en profite. C'est au moins la cinquième vidéo que je fais aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà, il y en aura trois qui seront passées, et puis celle-là elle passera plus tard. Je vais vous montrer les trois dernières. Voilà. Donc j'avais fait la maison, hein, voilà, donc j'ai rajouté des petits stickers, là, voilà, des papillons, voilà. J'ai rajouté des choses parce que ça manquait. Voilà. Ensuite la 19, c'était le renard, la ruse. Voilà. Donc la ruse, quelqu'un de rusé. Voilà. Donc j'ai mis aussi des petits stickers autour, là, pour faire plus joli. Et puis je suis partie dans la troisième, voilà, la numéro 20, c'est l'automne. Voilà, donc j'ai fait celle-ci aussi sur l'automne parce que je vais faire les quatre saisons. Vous n'êtes pas obligés, mais moi je vais faire printemps, automne, été, hiver. Voilà, je vais faire tous les quatre saisons. Voilà l'automne, donc j'ai mis le petit escargot sur les champignons. Ici j'ai mis un autocollant, puis après j'ai remis le petit rat ou la petite souris là. Et puis j'ai rajouté des feuilles. Voilà. C'est le même fond et c'est trois cartes différentes. Vous voyez? Avec le même fond, on peut faire vraiment trois cartes. La maison, la ruse et l'automne. Voilà, donc j'en ai 20. Voici la 21. Donc là, c'est la carte bébé. Naissance, bébé, voilà. Et je vais faire bleu et rose, hein, parce que voilà, fille ou garçon. Je vais juste faire ça. Voilà. Avec mes distress. Voilà, donc c'est la bleue Tumble Glass. Voilà, je vais juste faire simple. Parce que le fond, on n'a pas besoin d'être compliqué pour celle-là. Voilà. J'ai envie de mettre du bleu. Et puis. Je sais pas où elle s'arrêtera, mais voilà, c'est pas grave. Je vais quand même tout faire là, cette grande carte. Donc je l'ai coupée en deux la feuille. C'est pas la peine que j'en fasse plus parce que le bleu et rose, il n'y en aura pas beaucoup. À part celle de bébé, la naissance, ou les enfants peut-être, mais. Je ferai différemment les enfants. Voilà, donc celle-là, j'avais envie de faire bleu et rose. Donc le rose, c'est Worn Lipstick. C'est la ink, hein. C'est ink. Donc la ink, elle est même usée, la mienne. Parce que il y a longtemps que je l'ai. Hein. Et puis, elle commence à être très, très sèche. Peut-être que, je sais pas si avec de l'eau ça ira, j'en sais rien, si vous avez déjà essayé. Est-ce qu'avec de l'eau ça irait pour la qu'elle soit moins sèche, j'en sais rien. Voilà, bleu et rose, hein, voilà, tout simple, un hein, fond tout simple, très très bébé quoi. Voilà. C'est suffisant. Après on peut mettre des tampons, hein. Je vais sûrement trouver des tampons, je vais regarder ça. Voilà, donc c'est une planche qui vient de Globeland, je crois. Voilà, c'est des bébés, il y a une poussette, il y a un bavoir, il y a des habits pendus, tout ça. Mais comme je vais mettre des petites choses là que j'ai trouvées, voilà, je vais mettre ce petit bébé là, au milieu, il est trop mignon. Le bébé, voilà, des petits mots, tout ça, donc je vais mettre ça ici au milieu, donc j'ai pas besoin de grand chose. Je veux juste faire un petit fond, donc voilà, avec la tétine, un nœud et le biberon, voilà. Oui, je vais les mettre partout. Et puis, voilà, je les fais en bleu. Parce que, voilà. Donc, je les mets de tous les côtés. Qu'il y en ait partout sur ma carte. C'est juste pour faire comme un fond. Voilà. Même s'ils sont à l'envers. C'est pas grave. Voilà. Voilà, je fais tout le tour. Parce que
sais pas où ma carte va atterrir. Donc, voilà. Vous voyez, je fais juste comme un petit fond avec des biberons, des tétines et des petits trucs. Voilà. Ça me suffit. Et puis voilà, je vais. Donc, je vais peut-être déjà couper la carte parce que sinon, voilà, je l'ai préparée derrière, vous voyez. Et c'est là, ma carte numéro 21. Comme ça. Je la coupe et je peux coller comme je veux mes trucs. Parce que si je les mets avant, ben ça sera pas au milieu, ce sera pas joli. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, j'ai. Même si c'est coupé, c'est pas grave, c'est bien. Voilà, ça je vais les garder pour faire peut-être des petites choses, on verra. Alors, mes coins, je vais faire aussi là. Voilà, ça, ça sera la carte de bébé. La naissance, alors c'est pas obligé que ce soit un bébé, hein. Ça peut être une naissance, une renaissance, voilà, c'est, ça peut être en spiritualité, ça veut pas dire le bébé non plus, mais ça peut aussi être un enfant, un petit enfant, voilà. Ça peut représenter un petit enfant que vous avez vers chez vous, sur vos proche quoi, voilà, ça que je vais dire, voilà, je l'ai montré comme toujours, et là je vais mettre mon petit bébé, alors, soit en haut, soit là, j'ai un B, alors, je sais pas si je fais comme ça, je vais le mettre là-haut, donc je l'ai bien tout découpé, donc c'est quelque chose que j'avais dans un livre de scrap. Vous voyez, de garder ça sert. Hein. C'est de la récup. Et la récup, ça sert. Voilà, j'ai mon petit bébé trop mignon. Il est trop chou. Voilà, il faut que ça colle bien. Si ça colle pas bien, on en remet. Voilà, puis là j'ai le B de bébé avec des cubes là, c'est joli aussi, donc c'est en rose, comme ça ça peut être une fille ou un garçon. Hein. Voilà. Comme ça on ne sait pas. Voilà, et puis là j'ai des petits mots bébé, je vais les mettre, ils étaient avec, donc... Voilà, petit mot bébé et le mot baby. Et voilà, vous voyez, tout simple. Donc c'est ma 21. Bon, je vais marquer 21. Mais ça va vite quand même, hein, une fois qu'on a des idées, qu'on est inspiré, ça va tout seul. Regardez. Voilà, elle est trop chou, hein, ma carte de bébé. Voilà, n'oubliez pas un petit pouce, merci. Et puis, on verra ce que vous allez faire, les copines. Et donc, je suis contente, il y a 3-4 filles qui le font en me suivant. Donc, c'est sympa, hein, ça leur donne des idées. Voilà, il y en a qui font d'autres cartes, ça me donne des idées à moi aussi. Donc, c'est vraiment chouette. Hein. Bravo à Tinou, à Françoise, à Pat, à Martine. Enfin, bravo à toutes. Ouais. Toutes celles qui en font. Merci beaucoup. Au revoir.